Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose la recette de riz au coco. Ce riz est tellement délicieux que je me sentais vraiment obligée de le partager avec vous, surtout pendant les festivités de Noël. Alors on commence. Pour deux recettes, on aura besoin de carottes, de l'oignon vert, du piment, du paprika frais et de haricots verts, sans pour autant oublier les riz que nous allons pré-cuire. Donc, ce riz est tellement délicieux que vos voisins, l'air, ne vont tourner vers votre porte. Donc, on commence. Là, j'utilise l'huile de coco. L'huile de coco, pourquoi l'huile de coco? Parce que l'huile de coco va encore ajouter cette odeur merveilleuse de coco. Donc, je commence par frire tous mes ingrédients. Donc, là, nous avons le carotte, l'oignon, les paprika frais, les oignons verts. Donc, tous les ingrédients que je vous ai montrés, on va les frire. J'utilise l'huile de coco, mais si vous n'avez pas l'huile de coco, vous pouvez aussi utiliser l'huile végétale, ce n'est pas un problème, mais si vous pouvez trouver l'huile de coco, c'est vraiment mieux. Donc voilà, je vais le laisser mijoter pendant quelques minutes. Après, je vous montre notre star, le star d'aujourd'hui, qui est le lait de coco. Vous pouvez aussi utiliser le lait de coco frais. Donc voilà, on commence. Donc j'ai fini de frire mes épices, tous mes ingrédients. Donc là, je viens ajouter maintenant mon lait de coco. Donc je vais le laisser mijoter juste pendant une minute. Ensuite, je vais maintenant ajouter mon riz que j'ai déjà pré-cuit à plus ou moins 70%. Voilà, comme vous pouvez le voir que le lait de coco a bien couvert mon riz, j'ajoute du sel et voilà la magie, mon riz de coco est prêt juste après 15 minutes de cuisson à feu doux. Donc voilà, donc la recette est prête. Je vous assure que notre riz est vraiment délicieux. Alors, je vous souhaite bonne fête de Noël. Portez-vous bien.